Maintenant, dépêche-toi. Il ne faudrait pas que tu commences la semaine en arrivant en retard. Ezan, tiens, prends donc quelques boulettes de riz pour la route. Oh, merci, Pa. À samedi prochain. Bien bonjour, Monsieur Keburagi. Avez-vous eu le loisir de reconsidérer ma proposition? Monsieur Haruku, je vous l'ai déjà dit, la recette de mes boulettes de riz est un secret de famille transmis de génération en génération et je ne la vendrai pas. Soyez donc raisonnable. Pensez-vous sérieusement que les clients préféreront votre petite charrette à cette splendide boutique que j'ouvre dans quelques jours? Voyons, cette ville est bien assez grande pour nous deux, Monsieur Haruku. Et j'ajouterai que mes clients m'ont toujours été fidèles. Oh, bonjour, Monsieur Kaburagi. Mettez-moi une douzaine de vos délicieuses boulettes de riz, voulez-vous? Et deux douzaines pour moi, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez-y, vous pouvez applaudir et vous retenez pas surtout. Oh, arrête un peu. À moi d'essayer. Ok, à moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'on dit, hein? Quand on n'arrive pas du premier coup, il suffit de recommencer. Il faut juste que tu te concentres. Cet exercice, c'est que de la technique. Applique la formule. Non, laisse faire ton corps. Deviens la cible, Ezan. Oui, deviens la cible. Vas-y à l'instinct. Ezan. Ta mère vient d'appeler pour te demander de rentrer à la maison ce soir. Pourquoi? Elle a dit de ne surtout pas t'inquiéter, mais ton père a besoin d'aide. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa? Il a eu un problème avec les boulettes de riz et il s'est enfermé dans la chambre. Et depuis, il refuse catégoriquement de me laisser entrer. Je me disais qu'à toi, il ouvrirait. Papa? Papa, c'est moi, Ezan! Ouvre la porte, s'il te plaît! Allez! Maman dit que t'as un problème avec les boulettes. Un problème avec les boulettes? Mais non, voyons, je n'ai aucun problème du tout avec les boulettes. Papa, allez, tu peux tout me dire. Hier, après ton départ pour l'école... Régalez-vous, mesdames. Je veux votre recette, Monsieur Kaburagi, et je l'obtiendrai, à n'importe quel prix. Désolé, Monsieur Haruku, mais non, c'est non. Elles sont infectes. Infectes. Oh, et ça a continué toute la journée. Elles sont infectes. Je pensais que c'était juste un accident, que ça venait sûrement de la qualité du riz, mais... Hier soir, j'ai refait une fournée de boulettes en vérifiant tout, et plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ça a encore recommencé. Les boulettes avaient un goût infect. Allez, papa, quoi? C'est pas si grave. C'est juste des boulettes de riz. Juste!
des boulettes. Mais ce sont ces boulettes qui nous font vivre, je te signale, et qui paient tes études. Oh, et en plus, les Kamuragi font des boulettes de riz depuis des générations. C'est leur mission, les boulettes de riz, on a ça dans le sang, dans notre ADN. Et j'ai tout fichu par terre. J'ai échoué, et à cause de moi, notre nom restera à jamais entaché. Ok, papa, écoute ce qu'une amie m'a dit ce matin. Quand on n'arrive pas du premier coup, il suffit de recommencer. Tu es un Kamuragi et le fier héritier de plusieurs générations de... de vendeurs de boulettes de riz. Tiens le coup, je ne te laisserai pas abandonner. Ce n'est qu'un petit chaos sur la route de la vie, après tout. Tu dois essayer encore, et cette fois, tu y arriveras. Tu as raison, fils. Je ne peux pas et je ne dois pas me laisser abattre aussi facilement. Je vais réessayer. Oui, tout de suite. Ah, je vais faire d'autres boulettes. Mannequin. Non, non, pas du tout. C'est que... C'était voulu. On se demandait comment ça allait, ton père. Oh, c'était rien, juste un petit problème avec ces boulettes de riz. Mais c'est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Allez, relancez-moi ce mannequin. Elles sont infectes, tes boulettes. Ah bon, elles sont pas bonnes, ces boulettes. Allez, recommence, Eizan. Peut-être tout à l'heure. Eizan, ne me dis pas que tu abandonnes. J'abandonne pas, je fais juste une petite pause. Réveille-moi dans 10 ans. Eizan, ton père voudrait te parler, mon garçon, et cela en privé. Viens avec nous, s'il te plaît. Allons-y, fils. On peut vraiment rien faire? Mon père est au bord de la faillite, c'est horrible. Il ne peut même plus payer mes frais de scolarité, alors... Mais pourquoi tu ne demandes pas une bourse? Je suis sûre et certaine que tu l'aurais. Le principal lui a proposé, mais mon père a refusé. Il dit que les Kamuragi ne demandent jamais la charité, alors c'est cuit. En plus, comme on ne peut plus payer notre loyer, il va falloir qu'on aille habiter dans la ferme familiale. C'est pas possible, toi, un petit fermier, à traire les poules et à plumer les chèvres. Oh bon sang, ça va être l'horreur. Tu peux dire adieu au ninjutsu. Avec tout ça, t'auras même plus le temps de pratiquer. Je deviendrai un grand ninja, peu importe l'endroit. Et si je dois vivre à la ferme, je m'entraînerai avec ce que j'aurai sous la main. Hé, à
ça ne sera peut-être pas évident au début, mais je me débrouillerai d'une façon ou d'une autre. On va au moins t'aider à rapporter toutes tes affaires chez toi. Ne pleure pas, ami. Il faut qu'on soit fort sur ce coup-là pour Ethan. Console-moi. Pas la peine de défaire tes valises, fiston. Nous partirons pour la ferme dans 2 ou 3 jours. Ne t'en fais pas, Ethan. On t'appellera tout le temps, tu verras. À la ferme, il n'y a pas de téléphone. On t'enverra des mails. Ni d'ordinateur. Alors on fera comme dans le temps, on t'écrira, c'est tout. Le facteur ne passe que tous les 3 mois. La ferme est sur une île. Oh. Bien le bonsoir, monsieur Kaburagi. Monsieur Haruku, que puis-je pour vous? Je suis laissé dire que vous déménagiez. Puisque vous retournez à la terre, ce serait vraiment dommage de laisser perdre votre recette de boulettes. Vous êtes d'accord avec moi? Que pensez-vous de cette offre? Oh. Quoi? Vous voulez plus? Dites-moi seulement combien de zéros je dois ajouter. N'ayez pas peur, combien? Je dis pas question. La recette des boulettes de riz Kaburagi n'est pas à vendre. Tu me l'as toujours dit et répété, papa. Oui, mais je ne fais plus de boulettes de riz aujourd'hui. Pour ce qu'elles valaient, monsieur Haruku a peut-être raison. Peut-être qu'avec lui, notre recette de famille sera en de meilleures mains. Car ses mains, ses maudites mains, ne savent plus faire que des boulettes infectes. Elles ne sont bonnes à rien. À rien. À rien. Je suis désolée, monsieur Haruku, mais si mon père vous cédait cette recette de famille, il le regretterait. Il est un peu déprimé en ce moment, alors c'est moi qui vous le dis. Bonsoir. Tu as du cran. Viens me trouver quand tu seras plus grand et que tu chercheras un emploi. Oh. Tu sais, mon garçon, cet argent aurait pu te permettre de retourner à Shuriken School. Ça ne fait rien, pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu n'abandonnes jamais. Tu es jeune. Tu n'as pas encore été éprouvé par l'existence. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre espoir. Je n'abandonne pas, je fais juste une petite pause. Réveille-moi dans 10 ans. C'était sacrément bien parlé, Ethan, mais toi non plus n'abandonne pas. Mais je vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Si les boulettes de ton père sont subitement devenues mauvaises, il doit forcément y avoir une raison. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. On pourrait emprunter un microscope à l'école pour les examiner. Elles sont infectes! J'ai l'explication. Ce mauvais goût, c'est du sable blanc. Du sable blanc? Tu veux dire, comme sur les plages? Non, celui-là, il est bien plus blanc que le sable ordinaire, ce qui explique que personne n'ait rien remarqué jusque-là. Avec le riz, ça se mélange parfaitement. Mais mon père n'aurait jamais mis de sable dans ses boulettes, c'est un professionnel. Alors c'est très simple, ça vient de quelqu'un d'autre. Qui sabote délibérément le commerce de ton père. Monsieur Haruku, ça ne peut être que lui. Il essaie de mettre mon père sur la paille pour s'approprier notre recette de famille. En effet, c'est possible. Mais pour régler cette affaire, il te faut plus que des soupçons. Il te faut des preuves. Quand monsieur Haruku est venu tout à l'heure, j'ai remarqué ça sur ses chaussures. Du sable blanc. C'est la spécialité ici. Oui, mais il y en a tellement. Ok, ça va aller. Bon, alors faut trouver le bureau de monsieur Haruku. S'il y a des preuves, c'est là qu'elles seront. Encore du sable blanc. Comme preuve, ça c'est amplement suffisant. Hé, tu es le fils de monsieur Kaburagi. Tu peux oublier ma proposition. Je n'engage pas les voleurs. Vous osez me traiter de voleur? C'est vous qui portez des chaussures pleines de sable blanc, je vous signale. Ouais, d'accord, j'ai du sable blanc sur les chaussures. Et alors? Alors, quelqu'un essaye de saboter le commerce de son père en mettant du sable blanc dans ses boulettes de riz. Voilà le problème. Et tout le monde est au courant que vous voulez notre recette depuis longtemps, alors c'est forcément vous. Si vous saviez le mal que ça lui fait, il est anéanti. Ah, j'ignorais complètement que l'on essayait de nuire à ton père.
Je peux te l'assurer, je suis navré qu'il en souffre. Je suis peut-être dur en affaires, mais je ne triche jamais. Je respecte la concurrence et je pense que c'est une bonne chose. Et ça ne m'interdit pas d'essayer d'acheter votre recette, n'est-ce pas? Tout le monde l'adore. Comment ce sable est arrivé sur vos chaussures, alors? Tous les soirs au coucher du soleil, j'aime descendre me promener au bord du lac Akayama. Ça me détend. Je suis allé encore ce soir avant de passer chez vous. Au lac Akayama? Oui, c'est tout à côté de l'école Katana. J'ai l'impression qu'on a fait fausse route depuis le début. Je crois que ce n'est pas ton père qui était visé dans toute cette histoire, Eizan. Non, c'est de toi qu'on veut se débarrasser. Naginata. Monsieur Haruku, je vous prie de me pardonner de vous avoir soupçonné. J'ai eu tort. Mais j'ai une faveur à vous demander. Eizan, n'oublie pas, il faut finir de tout emballer aujourd'hui. Les déménageurs seront là demain. Ok, pas. Je reviens tout de suite. Chérie, c'est ton cuiseur, Harry. Monsieur Haruku, je regrette, mais comme je vous l'ai déjà dit... Non, rassurez-vous, monsieur Kaburagi. Je ne viens pas vous acheter votre recette de boulettes. Je voulais juste vous prévenir qu'hier, en travaillant en cuisine, j'ai mis au point ma propre recette de boulettes. Bien meilleure que la vôtre, évidemment. Je retire donc mon offre et je ne viendrai plus vous importuner. Bien meilleure que la recette des Kaburagi? Ah, au moins 10 fois meilleure. Je vous salue, monsieur. Tu l'as entendu, ce prétentieux? Il ose dire que sa recette de boulettes serait meilleure que la nôtre? Mais je vais lui montrer, moi, qui a la meilleure recette. Naginata! Alors, Eizan, il paraît que le commerce de ton père bat de l'aile et que vous quittez la ville? Non, mais quel dommage! Mais là, en sourdine, Naginata, je sais que tu es derrière tout ah, ça. Ah, et qu'est-ce que tu ferais si c'était le cas? Du sable dans les boulettes, c'est sympa, tu trouves pas? Ça pimente un peu le tout et ça craque sous la dent. Mouah, bravissimo! Mais pourquoi? T'as vraiment besoin de demander? Parce que t'es mon rival. C'était vraiment jouissif de devoir souffrir comme ça. Et à la baston, je te prends quand tu veux! Mais détruire toute ta vie, ça c'était l'extase, mon pote. C'est logique au moins. Cette histoire, c'est entre toi et moi, Naginata. Ne les mêlons pas à ça. À moins que tu n'aies peur de m'affronter seule, espèce de lâche. Quel imbécile, tu me feras toujours rire. Bien, finissons-en, une bonne fois pour toutes. Tu sais, Eizan, on vient d'apprendre un nouvel entraînement à Katana. On appelle ça le cyclone destructeur. Moi, je te montre et toi, tu te dégustes. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ah, ah. Oh non, c'est pas bon, il fait comme le mannequin à l'école. Alors, tu abandonnes déjà, hein? Accroche-toi, Eizan, applique la formule. Vas-y, à l'instinct. La formule. À l'instinct. Formule. À l'instinct. Formule. À l'instinct. Formule. À l'instinct. Arrêtez. J'ai compris, c'est bon. Naginata. Et Eizan s'effondre encore une fois. Pense à l'instinct de conservation, au moins. On n'est même pas en compétition, c'est pitoyable. Heureusement que tu pars à la cambrousse, hein, parce que comme ninja, t'es fêlé. Tu es jeune. Tu n'as pas encore été éprouvé par l'existence. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre espoir. Je vais t'apprendre un truc, Naginata. Tu dis que je suis fini, mais pourtant, je ne suis pas encore au tapis. Oui. Ouais. Ah!
fait subir à mon père, Naginata. Maintenant, ne t'avise plus de t'en prendre à ma famille, ou tu le regretteras. Et si tu recommences à saboter le commerce du père d'Eizan, je mets cette photo sur internet et tu te retrouveras en calbute face au monde entier. Voilà, Eizan. Maintenant, tu quitteras peut-être la ville pour ta ferme, mais au moins tu partiras sur un exploit, pas sur une défaite. Elles sont encore meilleures qu'avant, Monsieur Kaburagi. Oh oui, j'en voudrais 3 douzaines. J'ai une famille très nombreuse. Papa, les affaires reprennent, on dirait. Et j'ai même amélioré notre recette ancestrale. Tu peux être fier de moi. Est-ce que ça veut dire qu'Eizan va revenir à Shuriken School? Bien sûr, et en plus on ne déménage plus. On reste en ville, les enfants. Bien, vous prendrez bien une petite boulette pour fêter ça. Elles sont délicieuses, waouh! C'est aussi son avis, je crois.